Je recommence un nouveau stream aujourd'hui avec Spiritonoob. Vous allez voir que ça fait quelque temps que je ne l'ai pas joué, niveau 25. Et il est accompagné d'un nouveau personnage, enfin un nouveau personnage qui est déjà un temps certain, puisque j'ai quand même pris le temps de lui recrafter un set en armure en armure lourde, parce que jusqu'à maintenant ce pauvre petit avait toujours quand je l'ai récupéré, il avait toujours une armure en cuir, puisque jusqu'au niveau 20, eh bien les capitaines comme les champions ne portaient que du cuir. Donc là, j'ai réglé le problème, je lui ai mis une jolie petite armure métallique. Voilà. Et vous aviez vu avant que je vous parlais. Là, il va falloir sans doute que j'aille rechercher mon copain. Jusqu'à maintenant, il était accompagné de Berkil, Spiritomb, qui était un nain, avec qui il avait fait toutes les quêtes à peu près à partir du niveau 13 ou 15, quelque chose du genre. Le petit souci qu'il y a eu, c'est que sur le compte de Berkil, je n'avais pas les extensions suffisantes. Et donc, je vous rappelle que acheter les packs de quêtes un par un, c'est vachement plus contraignant que d'acheter le pack complet de l'Eriador. Ici, j'ai pas encore acheté ça sur Spiritomb, mais j'avais activé un mois d'abonnement. Donc là, je suis toujours dans mon mois d'abonnement. On est le 1er juillet aujourd'hui et je viens de commencer les vacances scolaires, puisque mon premier boulot est quand même un boulot d'enseignant. Donc je viens juste de terminer avec Flamiche. Nom complètement stupide, puisque en fait c'est un nom de bouffe. C'est un nom de bouffe en fait, les Flamiches. Spécialité de Dinan. Je suis en train de parler, je suis en train d'essayer de réfléchir en même temps et j'ai quand même un petit souci avec le comte de Flamiche. Je vais devoir faire appel à Tropine Airline, comme disait l'autre, puisque puisqu'en fait, la quête directement derrière le niveau, le livre 1, vous envoie Faucombe. Je venais de cramer sa carte de retour que j'avais placée encore avec Aesteldin. Et pourquoi je l'avais placée à Aesteldin? Puisque ben, Flamiche, je l'ai monté en bijoutier. À l'époque, on était obligé de retourner jusque Aesteldin pour avoir accès à des ateliers de fabrication de niveau supérieur, c'était du moins le plus proche pour mon level. Bah maintenant il n'y a plus de raison d'être, hein, puisque j'ai mis tout ça dans les quartiers de résidence. Ouais, j'ai pas pris le bon, je vais refaire de toute façon sans doute une décoroco. Je vais sans doute pas jouer beaucoup d'heures ce soir, puisque il est déjà minuit 10 et que de toute façon je suis appelable à partir de 5 heures pour l'ambulance. J'ai pas eu l'occasion de twitcher beaucoup pour le moment, puisque j'ai eu les conseils de classe, les assemblées générales, un examen pour un boulot que j'aimerais bien essayer de décrocher dans le coin. Donc voilà, j'étais occupé par d'autres trucs. Donc je suis en train d'essayer de connecter mon chasseur pour aller rechercher ce brave petit Flamiche. Et
En fait, je viens de me rendre compte qu'il y en a un que j'avais pas trop envie de bouger d'où il était. Donc voilà, mon petit Spirito Noob, il est gentiment en train d'attendre que l'autre blaireau se connecte pour le grouper et pour pouvoir en plus l'amener aller chercher mon petit capitaine. Donc je vais commencer aujourd'hui les quêtes dans les terres solitaires. Et je vais devoir quand même me baser sur Flamiche parce que dans les quêtes du livre les quêtes donc du livre 2 du volume 1, eh bien à un moment donné, il va me demander d'avoir un certain niveau de réputation. Moi j'avais commencé l'autre fois en follow sur un perso pour essayer de gagner des points turbines, c'est-à-dire que j'ai commencé à faire avec Spiritomb ou mon follow sur un autre perso, juste des traits. Donc mon petit copain là, il est arrivé à destination, je vais le grouper et j'ai pas de bol puisque c'est un personnage que je n'ai pas encore renommé. Donc je vais devoir inviter Sirunir moins 1. Qui va se faire un plaisir d'aller chercher l'autre crétin à Bubblewet, c'est-à-dire à Faucombe, et qui va le ramener. Donc je vais le ramener ici pour prendre à Bray les quêtes qui vont m'amener aux terres solitaires et notamment à l'auberge abandonnée. Donc je vais malheureusement, je pense, devoir prendre la route avec mon ami Flamiche puisque ce brave petit n'a pas. Va devoir remettre sa carte de retour pour le moment à Bray. Hein, donc. Voilà, je viens d'atteindre mon petit boulet, je vais le ramener vite fait bien fait. Et je laisserai le chassou sans doute à Bray, ou je le ramènerai peut-être à l'auberge abandonnée qui me sert juste. Ouais, je vais même pas le prendre. Ça aurait été sympa de le prendre juste pour dire voilà, si j'ai besoin de ramener les copains à cet endroit-ci. Plus facile. Donc le Sirunir, je vais quitter la communauté, partir. Voilà, comme ça je vais laisser mes deux petits persos, ça m'évite de chercher après eux pendant 107 ans, et je vais surtout penser à venir ici me linker au point de repère, hein. Voilà, je vais me lier là, je vais abandonner d'aller à Esteline avec. Je devais quand même encore, mais ça je ferai ça offline. Je devais encore avec ce petit perso faire ma quête d'artisanat pour le fabricant de bijoux. Donc voilà, j'ai volontairement. Donc j'ai caché ici toutes les quêtes qui me restaient. Pays de Bray, donc je vais activer cette quête-ci, livre 2, qui me dit d'aller voir Cerdan. Alors, je sais par habitude que mon petit épicière ici va me donner des quêtes pour l'auberge abandonnée aussi, donc je vais les prendre tant que je suis là. Ok. Alors, bonjour, j'ai besoin de l'aide d'une personne qui ne soit pas trop familière avec la classe aisée de notre bonne vieille, ville de Bray. Je récupère les poteries des ruines du royaume d'Arnor, enfin plutôt je les achète. C'est un signe de mon statut et depuis des années, ma collection surpasse celle de cette horrible Mirabelle sous colline, en quantité et en qualité. L'homme à qui j'achète
Ces poteries se nomment Candac Boisvif. Cela fait terriblement longtemps que je n'ai pas eu de nouvelles de lui et je m'inquiète pour ma prochaine livraison. Et pour Monsieur Boisvif, bien entendu. Il faudrait quelqu'un pour porter une lettre à Candac et à l'auberge abandonnée. Elle se trouve le long de la grande route de l'Est, juste après les marais de l'eau au cousin. Mirabel va bientôt me rendre visite et je n'ai rien de nouveau à lui montrer. Je serais ridicule. Vous ne voudriez pas que ça m'arrive, n'est-ce pas? Ok, qui est accepté. Et donc je vais aller prendre l'autre quête qui doit se trouver ici. Voilà, c'est Thomas Lenchardon qui m'en donne une pour la même zone. Dites-moi, j'ai entendu parler de vos exploits en ville. J'ai besoin d'une personne d'honneur comme vous. Une erreur de jugement que j'ai commise me laisse dans une situation délicate. Je récupère les raretés que l'on trouve dans les ruines d'Arnor et, dans le but d'économiser quelques pièces, j'ai employé un homme du sud. Il doit, en mon nom, une certaine somme au propriétaire de l'auberge abandonnée. Voudriez-vous apporter cette lettre à Anlaf, le mélancolique, à l'auberge, avant que les guildes de Bray apprennent cela? Elle se trouve à l'est, le long de la grande route de l'est. Je voudrais pas que l'indiscrétion d'un employé souille ma réputation. Ok, donc ça c'est fait. Maintenant, je vais aller chercher les fameuses quêtes. Je vais aller parler à Candac. À Saerdan, excusez-moi. Saerdan, donc, vers le haut du nord. Il se situe là-bas, le long de la route, si vous vous rappelez bien. En face de la ferme du monsieur qui avait été kidnappé. Oui, alors il me reste à publier, ça je vais quand même le faire. J'ai fait une petite vidéo sur laquelle il y a les nouveautés qui se font, puisque j'étais vite faire un petit tour sur le serveur de test hein, avant la mise à jour de la 2.18.2. Et donc j'ai été testé sur toutes les décorations de maison et franchement, pour les gens qui aiment bien décorer, vous allez vous rendre compte que vous allez pouvoir mettre beaucoup plus d'items. Et je vais dire, si vous faites un petit salon dans votre maison ou aménager votre chambre dans une pièce de la maison, vous allez voir que c'est beaucoup plus sympathique. Ça normalement ça devrait sortir avec la mise à jour qui aurait dû être implantée déjà mardi, mais qui a été reportée parce qu'il y avait un problème au niveau du raid. Bon, vous verrez sur la vidéo que je n'ai aucun talent. Oui, alors là, aucun talent de décorateur. C'est un bordel incommensurable que j'ai fait. Mais bon, c'était juste pour faire des petits tests de ce qu'il y avait moyen de faire. Alors, Saerdan. Que puis-je pour vous? Je dois vous avouer que je ne sais pas où Ragadas est allé en partant d'ici, sinon vers l'est dans les terres solitaires. Il s'inquiétait des éclairs qu'il avait vus au sommet du mont Venteux. Candès, un des miens, s'est déjà rendu là-bas pour en savoir plus. Peut-être que Radagast l'y a rejoint. Si vous voulez, mon cheval pourrait vous amener jusqu'au camp de Candès. Alors, on va prendre le camp de Candès. Voyage gratuit pour une fois, hein. On va pas se plaindre. Par contre, je pense que c'est un voyage long qu'il va me faire, hein. Donc, pendant que c'est en train de faire son petit voyage, je vais aller me chercher quand même de quoi boire un petit coup, parce que j'ai la gorge sèche.